Ce que j'ai vu pendant les vacances. Moi aussi, je vais vous raconter ce que j'ai vu chez mon grand-père. Moi, j'ai entendu beaucoup de coups de feu. Moi, pareil, un soir avant d'aller me coucher. Moi, j'étais à Lyon. J'ai rien entendu. Mais la ferme de ma tante a été détruite. Tu as eu de la chance de n'avoir rien entendu. Moi, j'étais chez mon grand-père et j'ai entendu des explosions. Alors j'ai pensé à mon père car il est parti en août pour se battre. J'ai aussi peur pour mon grand frère. Combien de temps a-t-elle duré la guerre, à votre avis? Pas longtemps, enfin, j'espère. Oh, il paraît qu'il y a une dame dans l'école. Non, pas possible, arrête tes bêtises. Si, j'ai entendu dire qu'elle serait notre maîtresse. Et en plus, devinez quoi? Quoi? On sera avec des filles dans la classe. Non, tu dis n'importe quoi. Des jupons dans notre cour. Je vous jure. Mais c'est une école de garçons, pourquoi sont-elles là? Je vais prévenir les autres. On va faire de la couture, vous croyez? Ça va être compliqué de travailler avec cette odeur. Et le maître, vous avez des nouvelles? Non. Comme vous avez pu le constater, vous êtes ensemble, garçons et filles. Vous êtes tous mélangés. Et c'est moi qui ferai les cours jusqu'à ce que la guerre prenne fin. Car beaucoup de maîtres font leur devoir en défendant la patrie. Comme mon père. Je suis certaine qu'il défend héroïquement notre sol national. Monsieur Lépine a été mobilisé et je le remplace jusqu'à ce qu'il revienne. Une fois la guerre gagnée, grâce au courage de nos soldats. Pour commencer cette nouvelle année scolaire, je souhaiterais vous parler d'un héros, guère plus âgé que vous, et dont le courage peut servir d'exemple à chacun. Dès le début de la guerre, le jeune Émile de Godez, âgé de 16 ans, réquisitionné comme conducteur, a suivi durant 15 jours les troupes françaises. Le 20 septembre 1914, à l'attaque d'un fort, alors qu'il se reposait dans quelques villages des alentours, avec un groupe de soldats, un gros obus éclate, tuant un homme, en blessant 9, plus le jeune de Godez et un enfant de 7 ans qui se trouvait là, alors que tous cherchaient un abri contre les obus. Ensanglanté, le bras troué par un éclat, le courageux enfant enlève son petit camarade de 7 ans, qui a le crâne défoncé, et le porte sous la mitraille au poste de secours à 100 mètres de là. Voyez-vous, les enfants,
Cet exemple nous montre que chacun peut être un héros. Mais madame, nous, on n'est pas des héros. Des hommes risquent leur vie pour défendre notre pays. Vous aussi, vous pouvez devenir des héros en travaillant bien à l'école. Ne vous inquiétez pas, c'est loin. Et souvenez-vous, nos soldats nous protègent. Ça arrive que des écoles soient touchées parfois. Un obus peut-il nous atteindre ? Soyez rassurés, nos ennemis ont été repoussés loin d'ici. À présent, prenez vos cahiers et commencez par inscrire la date. La ferme de ma grand-mère a été détruite par un obus le mois dernier quand ça a chopé à Gerbévilliers. Moi, mon père a été mobilisé. Il n'a pas trop de nouvelles. Comme pour mon frère. Silence ! Inscrivez la date.